Bon, alors aujourd'hui on se retrouve avec un monstre, vraiment un monstre italien. On se retrouve avec une Lamborghini Aventador, 50e anniversaire. Regardez-moi ça. C'était un rêve, on va dire. Aventador, c'était une voiture qui me fascinait depuis sa sortie quasiment. Et il fallait que j'essaye ça, il fallait que j'expérimente ça. Parce que voilà, de ce que j'entendais, c'est un délire et c'est chose faite. Et j'en profite aussi pour vous faire une petite vidéo et pour aussi vous montrer la voiture et évidemment et vous parler aussi un petit peu de la version 50e anniversaire, les différences entre une normale et une 50e anniversaire. Déjà, c'est le moteur qui produit 20 chevaux de plus que la version normale, donc 720 chevaux au lieu de 700 évidemment. Et c'est aussi tout ce kit carrosserie, notamment à l'avant avec ce pare-choc très bien dessiné qui, si je dis pas de bêtises, reprend le kit carrosserie de l'Aventador J. Donc voilà, un très très beau kit. Voilà, ici juste le pare-choc sur le côté en noir qui suit vraiment l'avant et l'arrière. Et l'arrière, comme vous pouvez le voir aussi, avec ce kit redessiné. Évidemment, c'est une roadster, comme vous pouvez le voir au cache moteur, et évidemment au toit. Donc voilà, je vais aussi vous montrer l'intérieur. Bon alors, pour ce qui est de l'ouverture, vous connaissez l'Aventador. Ici, ça se lève comme ça, c'est sublime. Et pour ce qui est de l'intérieur, c'est super intimidant en fait. La première fois que je suis monté dedans, c'était super intimidant, le pas de porte Aventador en carbone. Évidemment, l'intérieur de porte carbone et cuir. C'est vraiment super intimidant comme ça. Puis voilà, hein, les sièges sont sublimes. Je trouve ça super beau. La planche de bord en carbone, évidemment. Je vais même m'installer dedans. Alors pour s'installer, c'est un petit peu sport. Je vais pas vous cacher. Mais voilà. Planche de bord en carbone, le volant, les palettes, tout ça, c'est un délire. Encore une fois, les sièges qui sont vraiment sublimes. Et à l'arrière, la vue est complètement nulle en fait. Même la personne qui conduisait disait que le rétroviseur intérieur était vraiment inutile même, car vraiment on voit rien. Genre on voit que le moteur. Mais voilà. Les rétroviseurs aussi. Hop, je vais vous montrer. Comme ça. Donc voilà. Et puis voilà, hein, franchement, le petit badge Lamborghini qui fait plaisir. Aussi brodé sur l'appui-tête, j'ai oublié le nom. Puis voilà, comme vous pouvez le voir, tout le carbone. La planche de bob superbe. Là, le petit bouton pour se faire un petit plaisir. Puis voilà aussi les trois modes de conduite, Strada, Sport et Corsa. Puis voilà, hein, franchement, c'est sublime. Regardez ça. Puis pour l'ouverture de porte... Là, on appuie, on tire. Bon, là, la porte est déjà ouverte, donc ça sert à rien. Mais on lève après, comme ça. Et puis voilà, toujours aussi impressionnante. Une ouverture de porte de chez Lamborghini, surtout pour l'Aventador.